Donc voilà les gars, on se retrouve enfin pour cette saison 2, chapitre 2 les gars. Donc comme on peut voir, là on a la première image qui est apparue dans le trailer. Donc on peut voir encore qu'il y a toujours les bateaux. On peut voir un hélicoptère, donc s'il est in-game et qu'on peut l'utiliser comme un véhicule, ce serait vraiment magnifique. Donc là on peut voir l'image du pass de combat saison 2, on va pas trop s'attarder dessus. On a un skin Deadpool. Je sais pas si c'est vraiment la vraie image officielle. 2020 Marvel, Battle Pass Now, Deadpool Later, Maximum Effort. Ok. La mise à jour fait 10 Go sur PC, on a le trailer, ça j'ai déjà vu. Les nouveaux écrans de chargement pour cette nouvelle saison. Putain, il est stylé le truc banane. Lui, pas ouf. Lui, il est magnifique par contre. Et ça, pas mal aussi. Nouveauté en créatif, donc l'île requin et le bateau de croisière. La Scar silencieuse est de retour en version bleue. Donc pourquoi en version bleue, je ne sais pas. La nouvelle map. Donc ici on a un nouveau truc à ajouter. Je pense que c'est une plateforme pétrolière. Hein. Ici c'est l'île requin sûrement. Là qu'on peut voir juste ici, c'est l'île requin juste à côté du phare. À côté du phare, il y a l'air d'avoir quelque chose qui a été ajouté aussi, mais je suis pas sûr. Ici, on n'a plus l'air d'avoir la carcasse de l'avion. C'est plutôt bizarre. Après, je sais pas trop si ça a changé. Dirty Duck, ça a complètement changé. Ici, je sais pas, on a une sorte de quoi, je ne sais pas trop. Ici, bah non, en fait, c'est toujours Dirty Duck, d'après ce que je peux voir. Steamy Stack, il lui a rien arrivé. Le bateau de croisière est juste là. Ici, ça a l'air d'avoir un peu changé. Bah, ouais. Frenzy Farm. Ici, côté de Frenzy Farm, ça a l'air d'avoir un peu changé aussi. Oh, damn. Risky Hill, ça a été bougé ici. Et ici, il y a le complexe qu'on a regardé tout à l'heure dans l'image. Avec l'image, on voyait l'hélicoptère ici. Putain, ça va être stylé ça. Salty, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Ici, ça a l'air d'avoir un peu changé, mais pas trop. Ici, c'est nouveau. Je crois que ça n'y était pas avant. Bref, je m'attendais quand même à plus de changements, sincèrement. J'espère qu'il y en aura plus au fur et à mesure des mises à jour. Parce que. Je vais pas dire que je suis déçu, mais quand même un peu. Le pack Iris est finalement un pack dans la boutique 5 euros. Ok, donc ça sera un pack à 5 euros. Le parapluie saison 2. Oh, il est magnifique par contre. Parapluie top 1. Nouvelle arme en saison 2. Pistolet silencieux, car silencieuse bleu, carton en mode cachette. Missile qu'on peut survoler. Survoler, je comprends pas trop. Thompson, ça fait chier qu'il la remette, c'est chiant. Chapeau en bouncer, je sais pas ce que c'est. Milgun et mine. Oh, des mines. Putain, ça va être bien cheat et bien cancer, je pense. Nouveau style pour le skin Cabo. Plutôt pas mal. Nouveau skin, nouvelle variante pour ce skin. Plutôt pas mal. Et nouvelle variante pour la version féminine de ce skin. Plutôt pas mal aussi. Des nouveaux sacs et planeurs. Putain, il est stylé celui-là. Nouvelle émote, bon on peut pas trop deviner. Nouvelle bannière, nouveau chapeau qu'on peut utiliser comme bouncer. Bouncer, je sais plus ce que c'est dire en anglais. Genre comme bouclier, comme quoi. J'ai pas très bien compris. Nouveau objet et armes. Donc on a l'arc. On a le. Deux fois l'arc. On a une grenade avec des petites souris. Une pelote de laine. Et on a une Tech-9. Ah, c'est la PMA Rafale comme l'année dernière. Les nouvelles émotes encore. Là, je pense qu'il a posé une bombe et ça va le faire disparaître. Les nouveaux revêtements. Donc, plutôt stylé celui-ci et celui-ci. Hein, les autres, c'est quand même assez basique. En revêtement, et celui-là, pas mal aussi. Toutes les nouvelles traînées. Oh, stylé avec la manette. Comme ça aussi, pas mal, pas mal. Ok. Nouvelle grenade, mais c'est pas sûr. Tous les skins et objets en or, vraiment pas mal. Toutes les nouvelles pioches, donc c'est pas toutes, hein. Mais c'est une plupart de ce qu'il a trouvé pour le moment. Hop, donc plutôt pas mal celle-ci là.
Le nouveau logo. Le pass annuel a encore changé, mais ça, on sait pas trop. Là, c'est les nouveaux planeurs. Ah, ok, donc c'est un chapeau qu'on peut utiliser comme planeur. Ok, stylé. Il a oublié celui-là. Hop. Un nouveau lobby pour la saison. Donc là, on peut voir directement les nouveaux skins dans le casier. On s'en fiche un peu. Donc je crois que c'est le tour. On a fait le tour de ce qu'il y avait à voir pour le moment, je pense. Et je pense pas qu'il y aura plus forcément pour le moment. Donc je vais vous laisser ici les gars. Puis on se retrouvera directement in-game pour tester cette nouvelle saison. En espérant que il y ait des nouvelles mécaniques de jeu ou vraiment quelque chose qui ait changé, qu'on n'a pas pu trouver dans les fichiers du jeu. Donc moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager la vidéo. Allez, ciao!